Alors. La première région est terminée du coup. Ouais, j'ai des pièces là. J'avoue, j'ai habité les mobs qui vont m'emmerder. Restez là. Oh, bah qu'est-ce qu'il fout là, lui? En train de violer un cadavre, le con. Non, ça j'ai quand même pris quelques jaunes, ça. Oh, je pense qu'on aura besoin de ça. Quand même en refaire un peu. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-haut? Calmez-vous, là-haut. Qui vous prend, vous? C'est le rouge qui a besoin de ça, pas vous. Je vous ai dit de ramener les cadavres, vous? Vous faites à prendre des décisions comme ça sans moi.
J'ai déjà été cassé la photo comme ça, sinon mon foyer c'est bien plus. Chercher les rouges. Nickel. Le bleu con, le rouge. Mais ils sont cons à vouloir prendre les bleus. Non, je vais bien sûr un rouge. Ouais, j'y perds. J'allais prendre le bleu encore, je sais pas, bizarrement. What? J'ai passé où tous mes bleus? Pourquoi ils sont passés sur le compteur GGR? J'ai besoin de vous les bleus, vous êtes là? Tu es toi là-bas.
ensemble là. Je sais pas, il faut que j'en avais au moins une quinzaine. Et toi t'es un con. Ah ouais, de toute façon tu vas quand même en prendre une autre couleur, me prends un rouge, les jaunes, on va garder pour les jaunes. Ah putain, de toute façon j'ai besoin des jaunes pour faire péter le boss. Je sais pas si tu vois, j'aurais pas le time aujourd'hui. Non, j'aurais pas le time pour cette journée là, c'est mort. Ah oui, j'ai effectivement plein de jeux, plein de bleus qui étaient revenus là, c'est cool. Compteur GGR, cet appareil de mesure fait tellement de clics, de bzit et de clics. Ça devient vraiment énervant. Et en plus, ça sert à quoi? Le bleu s'il vous plaît, une majorité de bleu. J'ai un peu des bleus pour la troisième zone. Thank you.
Merde, on a été tombé comme une merde. Ouais, vite, 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 faut qu'on rentre. Oh, dommage, je reviens faire une journée ici quand même pour péter la gueule au gros boss. Araignée blindée là. La pieuvre, araignée, je sais pas quoi, intuable. Il faut en deux, dis donc, de mon apprendre. Bilbord Benin et à poil, l'espèce que je pourrais prendre sur la palette, c'est pas malgré le rapport. Comme ils toureront avec leur énorme mâchoire, les assauts de front, en général, les assauts que seraient les attaques par l'arrière ou sur les pattes. Ok. Bon, allez, on va chercher la dernière pièce. J'espère qu'il faut bien le tuer avec des bombes. Et donc, je vais laisser planter histoire de récupérer des fleurs. Quoi ce truc qui vole là? On a fallu des rouges, je sais pas, c'est là, j'avais vu. Vous avez vu ce truc? On prend en bas. Ah, ils sont revenus ces connards. Oh, le truc de rouge. Merci pour le follow, Explodev. Bienvenue à toi, comment va? Pas beaucoup par contre, mais en renfort, vous. Allez, soyez stunt encore plus longtemps. Bon.
Oui, mais quel connard! Pourquoi tu laisses une bombe sur une fleur, abrutité? Il est sérieux? Il a gâché une bombe pour une fleur. Et ils sont vraiment très cons, les petits filles. Oh my god. Je voulais vraiment pas les prendre les bombes là, prenez. Voilà. Ok. Bon, du coup. Bon, je crois que je vais devoir prendre des routes pour nettoyer le chemin jusqu'au boss avant. Ah merde, la porte elle est ouverte ou quoi là-bas? Pas sûr. Ok, il n'y a pas de boss. Oui, la porte du boss est ouverte, ok. Par la terre, ça marche pas. Donc ça fasse beaucoup d'effet, hein. Ça fonctionne pas du tout. Ah, faut que j'y aille avec des jaunes bombers et des rouges du coup. Oh, wow. Oh, cette galère. Oh, cette boss de l'enfer.
Donc faut que j'arrive à péter le truc avec des zones pour qu'il s'ouvre et après que j'ai envoyé une armée de roues sur le cul quand il a les ailes ouvertes. Génial! Génial, génial, génial. Bon, attendez, je vous mets un petit et puis je vais retenter ça. Ça va être marrant. Du coup, pour ouvrir, j'ai pas calculé. Hein. J'ai envoyé beaucoup de bombes avant qu'ils s'ouvrent. Je sais pas comment faire. Je sais pas s'il faut que j'envoie 2-3 petites lignes jaunes avec des bombes. De toute façon, il va falloir que je les mette en dehors de l'arène. Et ramener plein de jaunes avec des bombes, enfin, genre une dizaine de jaunes avec des bombes, je vais ramener des rouges, une bonne armée de rouges, je vais les laisser en dehors de l'arène, en 2-3 jaunes avec des bombes pour l'ouvrir. Après je vais vite chercher les rouges en speed pour lui envoyer sur le cul. Je pense que ça va être ça la strat, je sais pas exactement. Ça va être le premier boss vraiment tendu du jeu en vrai. Ça va être marrant. Mais bon, on va le faire quand même là, ça va être la dernière pièce de cette zone là, après j'irai dans la troisième zone, il me reste 2 pièces je crois. Ah non, 4 pièces. 2 ou 4 pièces dans la troisième zone. Et après on va à la dernière zone. À l'avant-dernière. L'avant-dernière, parce qu'après il reste une zone pour une seule pièce. Ça doit être une zone avec un boss final. Un pseudo boss final. On verra bien. Je pensais pas qu'il allait être aussi galère, moi de base je pensais juste qu'il fallait ramener des jaunes avec des bombes et que ça suffisait, qu'il lui foutait sa gueule, ça lui niquait sa barre de vie. Je pensais pas qu'il y avait un délire de jaune avec des bombes pour ouvrir sa carapace, après envoyer des routes. En plus j'ai vu s'il se referme, il se régène. Il faut vraiment que quand il s'ouvre, je lui envoie une armée de rouges et que je le one shot. Ah bah attends, ce Pikmin là, quand j'avais joué à l'époque, j'avais jamais été aussi loin. Bah j'avais été loin, j'avais débloqué toutes les zones, mais j'avais jamais récupéré toutes les pièces dans toutes les zones. J'avais terminé. Là le 2 ça va être encore plus marrant, quand j'ai joué à l'époque, j'ai joué une heure. Le 2 je le connais encore moins. Ouais, et bon, faut le terminer, faut avancer le challenge. Avancer le challenge sur la GameCube, après on fera Breath of Fire 2. On veut quelque chose plus. Alors, briquet de merde, tu t'allumes? Ok. Sur GameCube, par contre, je sais pas ce sera quoi le prochain jeu. On verra bien, je vais mettre un sondage de toute façon. Le tirage au sort. Comme d'hab, c'est qui gagnera le tirage au sort, il choisira. De toute façon, après Pikmin, c'est soit. Soit je fais Breath of Fire sur SNES, soit je termine One Piece sur GBA. Ou sinon, il y a un jeu sur Dreamcast là qui a été choisi par Juju. Je sais pas. Soit Breath of Fire 2, soit One Piece, ou soit le jeu Dreamcast. J'ai déjà déterré tout le monde, comme ça je les rentre et je peux me faire une équipe. Je sais juste pas combien il y a de bombes, combien faut que je prenne de jaune. Il y en avait 6 dans la première machine, 3, 5, donc je crois qu'il y en a 14 des bombes, comme ça. Ah putain, y'en a deux qui sont pas rentrés. Donc en gros, on va dire qu'un jaune. Un jaune, ça fait 85 rouges.
83, pourquoi 83? Je suis pas à fond là. Bah ouais. Ah, vous êtes pas con vous. Il a du mal à prendre les petites mines. Mais non, il a acheté l'hôtel la bombe. Non. Mais quel abruti. Il s'est endormi lui là. Ok. Je sais même pas si j'ai les 100 qui sont ici. Avec
c'est que j'en ai pas perdu sur la route, il faut vraiment le maximum. Vas-y, dépêchez-vous de rentrer là. Ouais, la chaise, j'en avais perdu sur la route. Bon, on va setup. Du coup. Là, c'est par là qu'il ne faut pas défoncer. Bomber, ça sera suffisant, je pense. Ah putain, d'accord, j'ai compris. En fait, y a pas du tout besoin de bombe. Oh putain, d'accord, je viens de capter. Faut juste bloquer son aspirateur. Ah, je viens de comprendre, ok, bye bye. Bah allez, tourne-toi, je viens de comprendre comment tu es. Au final, je me suis pris la tête totalement pour que dalle, aller chercher des bombes et tout, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah ouais, faut juste bloquer son putain d'appel d'air. Ah merde, t'es 30. Putain, il a failli tuer des potes. Bon, puis on va finir la journée en récupérant quelques palais. C'est quoi que j'ai le moins? Des jaunes. On va faire des jaunes. Des jaunes et des bleus. Thank you.
Bon, au moins on a fini la zone là, on aura toutes les pièces. Pas trop tôt. Cockpit NBC, je dois l'inspecter pour m'assurer qu'il n'y a aucune fissure. Un seul défaut et je me fais irradier comme un crotte au micro-ondes. J'ai retrouvé 18 pièces sur 30, il m'en reste encore 11 à trouver pour pouvoir augmenter la peur. Ah oui, 11 pour augmenter. J'allais dire sinon pour aller à 30. On n'est pas trop dans les bons comptes là. Ah putain, ça c'est un peu chier de payer des rouges du coup. Ah pourquoi tu as chopé une bombe? J'avais demandé d'aller choper des bombes. Allons pas pousser celle-là là-bas. Lâcher la bombe à lui là, qu'il fasse un drame. Ah, genre, c'est au moment du jaune. Ah merde, je vais pas lâcher les bombes. J'avais vu un volant avec une goutte de nectar. Bon, est-ce qu'elles ont poussé celle-là? Ouais, c'est bon. Bon, t'es un intelligent toi. Pourquoi il lâche pas les bombes par contre? Bon bah lâchez pas les bombes, je dirais rien. C'est pas intérêt de me faire un drame. Bon, de toute façon, on va les ranger, faut que je déterre tous les petites mines. Je reviendrai pas ici, donc faut pas besoin de les enterrer. Thank you.
aller faire un café vite fait après avant d'aller à la prochaine zone. Comment ça 3? Où mon dernier pin? Quoi? Il fait encore au boss lui, pourquoi il y en a un qui s'est perdu là-bas? Ouais, si c'est bon, normalement s'il est avec moi, je crois qu'il revient juste au vaisseau. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pourquoi t'es resté tout seul comme un abandonné? Engagé dans un féroce combat avec d'autres créatures, je suis mal à l'aise. Je me demande pourquoi il ne m'attaque pas. Peut-être une personne hostile comme une figure paternelle. Quelle pensée dérangeante. Enfin, genre, ça te dérange qu'ils voient comme leur père. Ouais, ça te dérange pas de faire de l'esclavagisme. Hein. Bon. Je vais faire une petite pause de 2 minutes, le temps que j'aille chercher un café, je vais aller rapidement aux toilettes, et après... Après j'ai cherché la dernière... Ah, il me restait qu'une pièce ici, bon... ah, ça fait chier, je vais perdre une journée pour une pièce. Ah, mais t'as j'ai 2 jours d'avance encore, ouais, non, ça va, c'est dérangeant. Bon, petite pause vite fait, le temps que j'aille chercher un café, j'aurais fait un coup au passage, et puis je reviens, on va récupérer cette pièce-là, on attaque la dernière zone. J'arrive à t'y suivre.
roule le petit cigarette avec le café et on va attaquer ça. Bon, de toute façon, la dernière pièce elle est facile à avoir, il faut faire une plaine bleue. Il faut aller péter la gueule à deux grenouilles. De toute façon, des bleus j'en ai combien? 301, ouais. On est large, je peux en perdre. On va sacrifier. Il va y avoir du sacrifice, on a une carte qui va mourir, c'est obligatoire. Vraiment, on va aller découvrir la dernière zone, je la connais vraiment pas du tout. Autant les trois premières zones, j'avais encore des souvenirs de ces zones-là, j'ai un petit peu des pièces et tout. Comment les récupérer, ce qu'il fallait faire, tout ça, mais la dernière, full découverte. Quand je vais commencer un peu la dernière zone, on va avoir un petit peu de souffert, etc. Peut-être qu'on va changer. Ok, en temps normal, je devrais même aller manger. Là. La visiteur, normalement, c'est quand tu vas pouvoir manger. Mais bon, j'ai pas trop faim, donc ça peut attendre. Allez, hop, chrono, c'est parti. Ouais, pas trop la dalle, ouais, je vais pas faire ma pause tout de suite. Ma pause vers 19h, 20h, ça dépend. Si mon estomac commence à gueuler famine. Oh putain, j'avais laissé beaucoup de couches plantées ici, heureusement que je dois revenir. Oh, je crois que... Pourquoi il brille, l'oignon? T'as des trucs à jeter ou quoi? Comment ça il m'en manque deux? En rester deux je crois. Bah ouais, j'en ai deux mais ils sont où? Ils sont où les deux manquants? Hein? Ils sont là-bas des vers? Comment ça des vers? What? J'allais récupérer la pièce et puis j'irai regarder ça après. Bizarre. Ah putain, il y a eux. Oh non, casser les couilles. Putain, faut que je prenne des rouges. Fais chier. Ah bah d'accord, on voit quand est-ce qu'on a toutes les pièces qui sont en vert. Putain, c'est... j'ai entendu une vidéo de merde là, ça chantait j'ai la musique dans la tête depuis hier. Grosse musique de merde, je l'ai jamais écoutée, mais à force d'entendre dans des vidéos les gens qui produisaient cette musique, je l'ai en tête. De merde en plus. Voilà, je vais prendre des rouges parce que les autres c'est des trucs lance-flammes, je peux pas les tuer avec des bleus, ils vont crever. Ah, y'en avait 3 à tuer, j'aurais dû prendre plus de rouge du coup.
Ah bah d'accord, j'ai déjà récupéré un petit coup de 51, je sais pas pourquoi j'en ai pris 50. Merde. Ok. Bon, je vais juste aller voir là-bas les deux petits kiosques que c'est. Oh merde. Ok, c'est deux petites mains rouges qui traînaient, je sais pas pourquoi. Ah, ils étaient plantés. Ok, bon bah, je sais pas pourquoi il y avait deux petites mains de plantées ici, mais bon. Maniez-vous le cul là que je vais chercher la pièce. Dépêchez-vous. Voilà, trois palais là-bas, une boule bête et un, il y a encore une boule bête qui arrive. Bon, ça va, je pense que j'aurai le temps. C'est pas la moitié de la journée, ça doit le faire. Merde, j'ai oublié de faire mon café. Oh, quel con, j'ai fait le café, j'ai oublié de faire. Oh bah tant pis, j'irai le faire tout à l'heure quand je changerai le jeu. Je vais le faire pendant le sondage. Mais bon. Je vais aller mettre des renforts, sinon mettre 30 ans à arriver. Thank you.
Bon, vite! On éteint tout ça, je chope tout bleu et on y va. C'est notre dernière pièce de la zone. Si j'ai encore un petit peu de temps après, je récupérerai les palets pour refaire des bleus. Enfin, je récupérerai ce que j'ai perdu. Il faudrait que je fasse des jaunes. C'est des jaunes. Par là, c'est les jaunes que j'ai le moins, bizarrement. J'ai tellement farmé les bleus que... Encore, on a à peine sorti du vaisseau, c'est déjà pété la gueule. Non! Mais vas-y, de où? Il y en a un carré spawn déjà, j'ai fait pas tout le monde et il y en a encore un carré spawn, il va me faire chier pour récupérer la pièce. Les bleus au combat ils sont nuls à chier. L'échappement du vaisseau et fit au tout qui sort de la navette. Ça dit donc de polluer l'atmosphère de cette planète. Je me sens rassuré. Ça sert beaucoup, putain, déjà 21 de morts. Arrête de... Arrête de pousser les autres, bande d'abrutis. Passer. Magnifique. Bah ils sont où ces clapiers? Thank you.
Ok, nice. Les radioxines, les lois interspatiales obligent les constructeurs à équiper leurs vaisseaux de filtres pour limiter la pollution dans l'espace. Ah, il est pas là le palais à 5? Ok. Et alors, tous les palais qu'on a ramenés tout à l'heure, ça va pas sortir d'œuf? Ça va pas jeter de graines? Pourtant, j'en ai déjà ramené des palais! Bon, bah, je sais pas, il y a plein de palais qui ont bugué là, puis on va ramener. Pourquoi? Genre, tous les siffleurs que j'ai été chercher là-bas, là, pourquoi j'ai pas eu mes siffleurs? Là-bas les deux autres. Oh, on va découvrir l'avant-dernière zone. Ça, par contre, du coup, la dernière zone, ça va être juste pour une pièce. Chelou. Alors, ouais, ça va juste être un boss. Mais pas grave, de toute façon, bon, j'ai ce qu'il faut en Pikmin pour un boss. J'en ai combien au tout? J'en ai 871, j'ai quasiment 400 rouges, 300 bleus. Ouais, c'est des jaunes. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'énormément de jaunes. Ah bon, c'est bon. Dans, allez, on va dire grand maximum demain, voire après-demain. Demain ou quoi. Et du coup, on va avoir enfin terminé ce Pikmin. On aura faire avancer un petit peu du challenge. C'est cool. C'est un moment que j'avais pas terminé de jeu. Ah merde, il va me manquer de bleu. Là, j'ai pas avoir le temps de les déterrer, les trois bleus là. Parvenir dans la zone. Oh, vite! Allez, 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 allez. Oh, c'est le timing! La chatte!
Bon, ouais, j'ai oublié de faire mon café avant d'attaquer la dernière zone, je vais quand même aller chercher. Donc, je suis pas prêt de stopper le live là. Pas de faire une pause pour aller manger ou quoi machin, donc je vais avoir besoin d'un petit café. Sur la save, passer la journée. C'est le jour depuis le crash. Crash-feu. Je me demande vraiment comment les espèces de cette planète ont évolué. Cette créature vomit un feu d'enfer. Une fois qu'un a pris feu, on ne peut plus rien faire pour lui. Si seulement ils avaient le courage de faire face comme ça, de prendre le feu. C'est un menteur. On peut rien faire pour lui. C'est un menteur. Les rouges, ils survivent au feu. Les rouges, ils sont immunisés. Les rouges survivent totalement au feu. Encore faire des choses d'eux après. Bon, je vais chercher un café, je reviens et on attaque l'avant-dernière zone. J'arrive. La pub. Bon, qu'est-ce que je vais faire le temps de la fin de la pub? Je roule un petit clap d'avance. Ça m'évitera de refaire une pause après. Attends le temps de la fin de la pub. Hop. Bon, voilà. Pub. De rouler. Il y a combien de pièces dans la prochaine zone? Merde, je vais pas faire l'émulateur. On verra après. Ah bah, de toute façon, c'est simple. Il reste combien? 19 pièces. Donc, ça veut dire qu'il y en a 10. Il y en a 10 et après, on aura une zone avec une pièce. Mm-m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 m
Ah merde, j'avais pas mis le code en pause. 3, 6, 9, 10, ouais, c'est ça. Bon, full découverte. Comme d'hab, on va prendre une armée de rouge pour aller explorer. Dans un premier temps. Oula! Ça va être encore un truc souterrain. Oula, c'est vachement aquatique cette connerie. Voilà, la pièce là, je peux peut-être aller la chercher normalement. Juste pas que les jaunes y tombent à l'eau. Bah sortez de l'eau, bande de cons! D'accord, ils sont totalement con. Ça va être une galère pour les emmener. Putain, je peux y aller avec des bleus, mais les bleus ils remonteront pas. Ouais, ça va être chaud. Je crois. Voilà, je m'en doutais, c'est des cons. Et vous allez par où? Mais quelle bande de bâtards! Bon, je prenne des bleus du coup, qu'est-ce qu'ils vont par la flotte, les abrutis, vous savez pas nager, pourquoi vous allez à fond, ils courent direct dans la flotte, les cons. Débiles, ils sont complètement cons. J'ai pas compris pourquoi ils ont sauté dans la flotte, moi je pensais qu'ils allaient faire le tour par en haut, là il y avait tout un chemin en haut avec un muret. Bon bah du coup je vais y aller avec des bleus, il y en a plein qui vont tomber dans l'eau que je dois récupérer au fur et à mesure, mais bon. Il fallait des jaunes parce que c'était trop haut pour les jeter, mais non ça doit passer. Mais non. Oula. Il faut quand même des jaunes.
Ah. Oh, ça a l'air d'être un niveau démoniaque en vrai. Ah, les boutons qui font, c'est bien ça. Compliqué. J'ai encore fait une découverte. Ah oui, quand on a plus de sang, il veut pas cracher des gènes, donc il est légèrement monté. Cette découverte là, tu l'as fait 10 fois dans la partie. Ça fait 10 fois qu'il a fait cette découverte là. Il est vraiment compliqué, du coup, il y en a énormément de choses à faire. Je crois que c'est la pièce là-bas, je la récupère pas tout de suite, le pont, faudra que je le réouvre. Un petit peu où se trouvent les pièces. Et du coup, il y en a une là. Là-bas. Ah, bah, celle après le pont, ok. Une dans la flotte. Là, de là-bas. Bon, de toute façon, on a à peu près. On a quand même le temps. Thank you.
Mais non, mais. Eh bien, déjà t'es con, elle est dans l'eau. Mais alors, tu viens? Oh là là là. Ah mais comment je passe alors? Ah merde, mais comment je les emmène? Ah, oh, j'ai pas les 30. Qu'est-ce qu'il y a en haut là? Je vois pas. Faut la faire tomber avec des jaunes, après aller chercher avec des bleus, mais les jaunes ils vont crever dans tous les cas. C'est bon, vous le réveillez pas. Nickel. Il y avait une pièce dans l'eau là-bas. Comment on va la choper? C'est quelque chose de gênant. Merde, je crois que c'est lui qui a la pièce. Ouais, cette merde là qui a la pièce. Putain, on va falloir que je prenne plein de bleus pour les tuer. Oh, oh tous les mobs qui a buté. Mon dieu, je perds énormément de bleus. Les bleus, c'est pas du tout des combattants. On va ouvrir là-bas, on a habité. Séance de massage. J'ai tellement marché ces derniers jours que j'ai eu cette séance de massage. Ouais. Par exemple. Il y avait un palais jaune, il est où? Il est où le palais jaune? J'ai vu un palais jaune de 1. C'est un palais jaune imaginaire. Je sens qu'elle va être compliquée cette game, hein, vraiment.
il m'en manque 7. Ouh, mais c'est tout encore. Là-bas. Merde. Bande de cons. Oh là là, je suis toute mine là. Oui, il me l'a replanté. Ah, il y a un mur à faire exploser là. J'ai pas eu beaucoup de bombes par contre. Bon, allez, achetez-le. Ouais, merci. Oh, t'as eu du mal. Ouais, c'est bien beau, vous avez ouvert ça, mais revenez là maintenant. Ah, bah elles sont là, les bombes. Attends, elles sont à côté. Bon, il y en aura pas assez, mais bon. Les autres, elles sont hyper loin, elles sont au bout du lac. Commencer à faire sauter avec ce qu'il y a là-bas, voir peut-être pas suffisant, mais je crois pas. Ah, il y a encore un arbre à faire, du coup à ouvrir là-bas aussi. Hein? Casse le cru. Ah, il m'en manquait une, je crois. Ouais, il m'en manquait deux même. Ouais, j'allais chercher les bleus là avant la nuit, putain, je vais pas avoir le temps. Ah d'accord, c'était un geyser, ok. Du coup on va être au 18ème jour, il me reste 10 pièces. Ouais, ça va. À mon avis, je vais mettre beaucoup de jours à passer cette journée, à passer cette heure là. Ouais, je vais aller ouvrir le pont direct que j'ai vu du côté d'explorer là. Il y a une pièce au fond avec full rouge, ça doit passer.
pas qu'il y ait un pont. Mais la première pièce que j'ai vue, je vois vraiment pas comment la choper, parce que quand j'en vois des jaunes, ces connards, ils sautent dans la flotte. Il y a une grosse concentration de pièces ici, c'est mal tout en exode. Je devrais pouvoir retrouver toutes ces pièces manquantes. Non, il y en a encore une. Ouais, enfin presque, ouais. Clairement, certaines pièces sont toujours manquantes. Il y a une pièce qui est toujours manquante. Max. Ah ok, j'avais un Pikmin. Ah genre il est pas mort pendant la nuit. C'est tout seul ici, il est pas mort. Ah merde, il a été replanté. Encore un mec, c'est l'étude, je sais pas pourquoi. D'accord. Là, tu tombes dans la flotte maintenant, tu sais pas pourquoi non plus. Ah putain, faut que je prenne quand même des bleus pour l'autre côté. Ah fuck. J'ai déjà le level up. J'avais un truc là-dedans. Oula, tu drops deux colas. Il faut que je retrouve des rochers explosifs, il y a un mur là-bas aussi. À construire, voilà, elle est vraiment très compliquée. Enfin, vachement jongler entre les couleurs de Pikmin. Oh, y a eu, ça m'inquiète, je suis en train de me taper là les drops de collection. Thank you.
Là, je suis stun parce que je suis pas ils font le taf. Ouais, tu sais qu'il est quand même dans le tour. Là il y a un geyser à ouvrir. Encore des trucs à faire péter. Ok. Deux murs à niquer. Ouais, je vais devoir jouer beaucoup avec les bleus en vrai. J'aurais pas eu les bombes ici. Ouais, on va les prendre. Là si je l'ai fait monter je vais la récupérer par faut que je fasse tout le tour par là bas en gros faut que je fasse monter des piquines par ici et que je fasse le tour là bas pour les récupérer et prendre la pièce. Faut que j'aille checker voir. Ah justement c'est le mur que je vais avoir besoin pour venir chercher la décision puis. Oh par contre c'est long à faire exploser les murs noirs comme ça, c'est 10 bombes. Ah, ils ont fait le taf, les bleus, c'est bien.
sacré pont quand même, tu sais. Non, il en faut 50 pour me monter, c'est sérieux. Ça, c'est la première fois que je vois une tour en 50. Je l'ai vu parce que là, c'est 40. Il en manque 9. Ouais, on ramène un peu plus. Ils le ramèneront plus vite parce que la journée elle commence à arriver à la fin. C'est un rude dommage, je vais douiller, je crois, j'ai ma dent là, quoi. Je vais douiller mes vénères. Pourtant, j'ai pas eu de problème de dents, mais là, j'ai une dent. Devoir se venger de tout le temps où j'ai été tranquille. L'unité gluonique, votre propriété métaglionique et cartienne des gluons, cet appareil, en fait, très scientifique, et je ne comprends pas tout moi-même, mais ça m'a coûté très cher. Je sais pas comment ça marche, on dit que le dolphin peut s'envoler avec son rugissement caractéristique. Ouais. Ah mais pourquoi il veut pas les jeter? Tu vas attendre à venir les autres. Quoi. Ah, je vais tirer. Ah, bah, il s'est mort, j'aurais pas le temps de les ramener d'ouvrir la porte.
qui ont ramené le cadavre et tout pour récupérer les petits peu des derniers moments de fight. C'est déjà bien. Ah merde, il y en a deux qui se sont perdus là-bas. Par où ils partent? Ils vont où là? Ils ramènent ça par où, c'est bon? Et en plus, ils sont en train de se bloquer. Mais qu'est-ce qu'ils branlent? Vous foutez quoi, vous? Une pièce là, enfin le siège du pilote, quand je l'aurai remis en place, le cockpit sera à nouveau en ordre. Le vaisseau commence à retrouver son apparence d'origine. Ah putain, donc ouais, faut avec plein de bruit demain. Je sais pas pourquoi ils essaient de passer par là, tant pis, tout ça on abandonne. Vas-y, vas-y, arrêtez de vouloir passer par là. Vous avez juste à passer ici, hein. C'est là le vrai chemin. C'est pas ce qui branle là, vouloir faire un grand détour à se bloquer la gueule là. C'est vraiment très con, hein, Pikmin. Bon, demain j'ai deux pièces que je peux aller choper. Je dois aller choper ces pièces là. Puis après, je pense que je vais aller pour autre chose. Il y aura cette zone là à la prochaine session parce que ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être long. Réussirais-je un jour à m'échapper de cette planète? Combien d'épreuves devrais-je endurer avant de revoir ma famille? Quand ma volonté faiblit, je trouve le réconfort dans l'effort. Je rentrerai chez moi. Ou je périrai en espérant.
Attendez, pour la pièce là, je crois que j'ai peut-être une idée de comment aller la choper. Si je les mets tous là, que du bord je les appelle et qu'après je suis sur le dépôt, c'est bon. Ah ouais, c'était comme ça qu'il fallait les ramener. Ouais, j'ai pas dû tomber. Ah putain, d'accord, sacré mécanique. Nouvelle mécanique intéressante. Ah, par contre, si vous chopez pas les trucs, il y a un problème. Quand tu chopes pas la pièce, je sais pas comment que faut faire pour qu'ils chopent la pièce. Bon, vous trouvez comment les emmener à la pièce. Maintenant, il faudra trouver comment choper la pièce. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre le sang, j'aurais dû prendre quelque chose pour faire les bombes, mais il aura pété quand même. Je vois rien, le jeu. C'est bon, il y avait les 25. Et puis il passe par là. Il n'y a pas de chemin par où il passe là. Ah d'accord, il attend que j'ouvre la porte là. Enfin, vous allez attendre parce qu'elles sont longues les portes comme ça. Les portes noires. J'ai abusé comment c'est long.
Mon rotor zirconium, il est en zirconium inoxydable, le matériau pour utiliser la fabrication des défis spatiaux. J'ai payé une fortune pour le faire installer, je crois que le garagiste m'a. Mais vous allez où, vous, là? Qu'est-ce qui branle, ces cons? D'accord, ils ont tapé un de ces détours inutiles. Ce détour inutile qu'ils nous ont fait. Passer. Ah bon. Oh, tant mieux aider, vous avez raison. Il y a quand même une porte à ouvrir là, un pont là-bas. Oula, par contre le pont, je sais pas comment on l'atteint. Il y a l'air d'avoir beaucoup de zones où il faut faire passer les pitons par un endroit et les attirer. C'est... Ça a l'air chelou. Cette zone elle a l'air compliquée. En même temps c'est la dernière, pas bah, l'avant-dernière. Oh, il y a encore un gros boss comme ça. On va avoir des jaunes. Il y a un palais jaune pour m'indiquer. Voilà. Ça pour mon cucu. Bon vieux siège en cuir véritable de Namuxis, un confort total, un maintien optimal, on n'en fabrique plus des comme ça. Par là. Voilà, des pièces par là, la pièce du gros monstre, la pièce là-haut, la pièce dans l'eau où faut taper le boss. J'aurais pu aller la chercher cette pièce là. J'ai pas pensé. On en est où là dans la journée? Où est-ce qu'on en est? Moitié. J'aurais pas le temps. Ah non, qu'est-ce que je fais? Non, restez là. Restez là. Merci pour le raid, monsieur Chou. Merci pour le raid, bienvenue à tous. Bonsoir, monsieur Chou, comment va? Ouais, mais t'arrives sur le moment où j'allais pas tarder à stopper. C'est sur la dernière journée, ça fait plus d'une heure que je suis là.
Ah, Pikmin, c'est du classique, c'est un très bon jeu. Comme je dis, après, j'ai hâte surtout de faire le 2. Le 1, je le connaissais déjà, je l'avais déjà fait, mais le 2, je l'ai jamais fait. C'est surtout le 2 que j'ai hâte. Ouais, sinon, c'est clair, jeu du cœur. Jeu du cœur, très bon jeu. Et comment t'es passé le live, M. Chou? Tu faisais quoi de beau? Tu joues à quoi de beau, toi, de ton côté? Ah, de la Mega Drive, nice, c'est ça. Tu dis sur quoi? Ah, bah tiens, en parlant de Mega Drive. Bah tiens, d'ailleurs, peut-être ce soir là, faut que j'essaie de moi faire Kid Caméléon. Ah, je m'étais refait. C'était Aladdin, moi, que je m'étais refait il y a quelques jours sur Mega Drive. Aladdin Mega Drive, ma version favorite. Ouais, comme d'hab, t'as fait plusieurs jeux. Ah, nice. Ah, moi je m'étais refait Aladdin et merde, j'arrive jamais à me rappeler du nom de ce jeu. Haunting. Haunting Poltergeist là. Ouais, je crois que c'est Haunting Poltergeist. L'autre jeu que je m'étais refait aussi il y a quelques temps. Mais c'est Kid Camelon que j'ai envie de refaire. Enfin, que j'ai envie de faire, j'ai jamais réussi à le terminer. Mais y'a pas de soucis, tu joues. Y'a pas de problème. Bon, encore merci pour le raid. Merci pour le raid et puis bah, bonne soirée à toi. Merci pour le lurk aussi. Bonne soirée en tout cas. Des bisous, cœur sur toi. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Moi j'ai rien à foutre là. Tourner. Je sais pas si j'ai le temps d'aller faire la pièce dans l'eau. En vrai. Pourquoi il y a ça là? Je sais pas à quoi il sert ce GDR. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu ce troll là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas eu cette photo. Putain, est-ce que j'aurai le temps? Je pense pas, il est loin quand même. On va aller juste là-bas, tuer l'ennemi, ramener la pièce. Ah, c'est trop long. Bon, avant la fin de la journée, je vais juste continuer à faire péter un peu le mur ici. De toute façon, après, on va changer de jeu. Sondage, on va passer sur autre chose. Ah, j'ai pas regardé si le pont il était refermé de l'autre côté. Si je peux aller chercher les bombes de l'autre côté, c'est nickel, comme ça je peux péter le mur direct. Ouais, c'était bon. Ah, faut pas que je trigger le mob. Pas d'autres, non. Ah, pourquoi il l'a pas chopé lui? Attends. Il fait genre qu'il l'a dans les mains, mais il l'a pas dans les mains. D'accord. J'ai peur de les siffler. Comment il lâche les bombes quand il les siffle?
Oh là là, puis y a tellement de crapauds, quand je vais aller chercher la pièce en haut, ça va être une guerre. Je vais en perdre des bleus, heureusement que j'en ai beaucoup. J'ai les Pikmin, je vais aller de l'autre côté ce qu'il y a. Ouais, j'ai pile poil assez de bombes. Ah non, j'aurais même en avoir une en plus, je crois. Ah bah non. Oh la chance. Allez, on range les petits esclaves. Par contre, la pièce là, vraiment, je sais pas comment la récupérer. J'ai compris qu'il fallait faire passer les Pikmin par au-dessus et nous faire suivre, mais j'ai pas compris comment choper la pièce. C'est du coup. Ok, il y a une pièce là. Trouver ma lampe à UV. Le seul problème de cette lampe, c'est qu'elle est parfois trop forte. Et si je veux m'en servir pour bronzer, je dois garder ma visière. Comment on la récupère? Comment on pourrait la récupérer? Ah. On peut la choper. Ouais, je peux même pas monter là-dessus. Ah, je peux faire monter les petites mines là. Bon, vas-y, de toute façon, on verra ça à la prochaine session. À la fin de la journée, on va save. Je vais mettre un sondage. Aller sur autre chose et puis on verra. Bon, c'était une bonne session, en tout cas on a bien avancé, j'ai terminé deux zones à 100%, celle-là je l'ai bien attaqué. C'est pas mal. Je pense que sur la première session, la prochaine session, on pourra terminer le jeu. Seconde. J'ai un problème avec le Shadow, les techniciens ils me racontent des conneries. Là ils veulent me changer mon disque dur où tout est installé, mais ça va me faire chier, je vais devoir tout réinstaller alors que le problème ça vient pas de ça. Très bien que le problème il vient pas de ça, ils veulent me changer le disque dur. Ils l'ont déjà formaté, ça n'a rien changé, là ils veulent carrément le changer, mais même quand je lance le gestionnaire de tâches ou que je lance un jeu installé sur le disque dur C, ça fout quand même. Je réponds juste rapidement à ça et je mets le sondage. En lançant un jeu ou application installé sur le disque dur C, ou même en lançant juste le gestionnaire de tâches, donc je ne pense pas que
Voilà. Bon. Alors, du coup. On va regarder un peu ce qu'on a à faire, les jeux à tester et tout. Voilà. Alors, Kemailer. Alors, j'en ai testé un jeu là, Winter. Rien compris au jeu. Bon, du coup. Et hop, Nia. Salut, madame Nia. Hop, femme d'avis, comment on va? Alors, test. Freeze Bros. PC. Oh, c'est quoi? Test. Crash. Test. Idiot. Sur PC. Sinon, on peut avancer Shonen One Piece sur GBA. Balance Cinder PC. Par contre, ça, faut que je recommence. C'est chiant. Sinon, je peux retenter Aladdin Mega Drive en espérant que je ne galère pas que de la manette. Parce que l'autre chose, c'est un peu de la manette que je peux plus terminer. Hein? Ah putain, c'est le idiot qui passe pas. Bon, attendez, je suis obligé de faire une faute dans un des jeux. Ouais, crash test idiot, j'ai écrit crash test ido. Parce que Twitch, il veut pas que j'écrive idiot. Bon. Donc, c'est pas un crash test ido, c'est crash test idiot. Ça va bien, Manical, alors. Parfait, parfait, si tu vas bien. Ouais, toujours pareil, toujours pareil. Toujours pareil, on fait aller, ça pourrait aller mieux. Faut encore régler mes petits soucis, mais on fait aller. J'ai ma dent qui commence à vraiment s'énerver là. Depuis ce matin, j'ai ma dent qui commence vraiment à m'envoyer des coups de jus et à me dire que tu vas douiller, mon con. Mais ça va sinon. Puis ouais, toujours pas réglé mon problème de frigo. Je suis en train de travailler pour, même si c'est des risques. Bref. Ouais, bref. Pas nickel si ça va. Ouais, par contre, j'ai ma dent vraiment. Elle commence à s'exciter là. C'est vraiment pas cool. Mieux quand je serai sûr de pas perdre des courses, je serai sûr que je remplirai pas le congélo et que ça se décongèlera, la porte est mal fermée, je suis obligé de la bloquer, mais des fois malheureusement j'ai l'impression qu'elle est bien bloquée mais le capteur il capte pas la porte fermée, donc ça congèle rien du tout, ça fait pas le froid alors que pourtant elle est bloquée quand même bien. Déjà là, il y a 3-4 jours, je me suis réveillé le matin, il y avait une mare de flotte dans la cuisine, j'avais perdu le congélo qui avait été décongelé, alors que j'avais bien bloqué la porte. Donc là, en ce moment, c'est à chaque fois que je ferme la porte du frigo et que je la bloque, j'ai une chance sur deux qu'au final, le capteur il prenne pas en compte que ça soit fermé et qu'il décongèle. Et là, je vois le bonheur. Là, c'est un peu chier du coup, parce que c'est quand même important de garder le congelé quoi, c'est le meilleur moyen pour faire des réserves de course. Oula, attendez, pendant la fin du sondage j'ai tué, de toute façon je vois pas Freeze Bros, ouais, je mets une petite pause, 2 minutes, je vais aux toilettes, j'ai du café qui me fait battre, j'arrive.
Bon, Free Bros du coup. Ouais, on va tester ça du coup, on va tester quelques petits jeux. Par contre, je pense, il y a de grandes chances, 90% de chances que ce soir, un peu plus tard, que je fasse une run de Kid Caméléon. Je tente de finir Kid Caméléon une fois encore. Je sais pas pourquoi, ça fait une paire de jours là, j'ai envie de jouer à Kid Caméléon, tenter de le terminer. Alors là, j'ai